c'est le lieu que la ville d'Aix a mis à ma disposition. C'est donc un musée municipal, c'est le pavillon Vendôme, qui est quand même un des bijoux aixois, si vous voulez, au niveau de l'architecture fin 18e. Et c'est un haut lieu culturel de la vie aixoise, en tout cas. Atelier nocturne. On a privilégié deux séries. Une, c'est une série sur des scènes d'atelier, notamment de mon atelier. Ce sont donc des natures mortes au sein d'un atelier. Et l'autre, ce sont des nocturnes parisiens, en grande partie, si vous voulez. J'étais très inspiré par ce thème de la nuit, et j'essaie de le traiter à ma manière. C'est une peinture, bon, résolument figurative, hein, donc j'ai pas du tout une démarche abstraite. C'est une peinture gestuelle, travail en matière, assez expressionniste. Je suis autodidacte complet, hein, donc j'ai pas fait les beaux-arts. J'ai essayé de trouver une écriture valable tout au long des années en passant par différents médiums. Je suis né à Aix-en-Provence en 1973. C'est la première fois que j'expose dans ma ville natale. Je suis donc ravi de faire un retour dans ma ville natale en présentant un peu plus d'une vingtaine de pièces.